Moi, pour rappeler un petit peu mon cas, étant prétentieux, orgueilleux de ce qu'on veut, les médecins avaient dit à ma mère, votre enfant, il ira probablement pas au-delà de 30 ans. Je veux dire qu'à cette époque, j'étais particulièrement atteint, j'avais les pieds plats, j'avais tous les os de guingois, puisqu'on n'avait pas une nutrition suffisamment importante, donc on avait des os mous. J'avais syphose, lordose, scoliose, donc tortillonnée. J'avais la tête trop grosse, ce qui fait que j'avais la teinte, les oreilles trop grandes, la gueule déformée par la sortie un peu brutale. Donc toutes ces choses-là, ça faisait quand même un handicap de départ. Et fort heureusement, j'ai télescopé mon grand-père, qui n'était qu'un grand-père d'adoption, et le résultat est à peu près correct. Donc je rappelle que ça, qu'est-ce qui fait la force de l'âme? La principale force de l'âme, quelle est-elle? La force de transformation qui les vaut toutes. Ça s'appelle la volonté. C'est le centre de votre existence, le centre du combat lorsqu'on est malade, la volonté, lorsque la volonté s'en va. Pour dire qu'il faut soutenir le moral d'abord, faire revenir la vitalité chez quelqu'un qui souffre, ça c'est le principal. Et ça c'est une affaire d'âme à âme, c'est-à-dire justement ce que j'ai appelé la compassion tout à l'heure. Une âme qui se penche sur quelqu'un qui souffre et lui dit « T'inquiète pas, tu souffres, mais t'es pas tout seul ». Ça c'est déjà beaucoup, parce que demander aux gens qui vont dans les hôpitaux le sentiment de solitude extraordinaire, violent.